157 tombes, 180, Monsieur Roseraine. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il y a des tarifs spécifiques aujourd'hui pour le domaine agricole, le transport de marchandises. Et en fait, la demande, c'est que pour le damage et les activités de déneigement, on ait ces mêmes tarifs spécifiques. En effet, on est sur des missions qui relèvent du service public et surtout aussi des missions de sécurité en montagne. Et pour ces raisons-là, je pense qu'il est nécessaire d'avoir ces tarifs spécifiques pour la partie damage. Surtout que nous n'avons pas des technologies de remplacement, que ça soit sur l'électrique ou sur l'hydrogène, parce qu'on a des différences de température en montagne qui font que ces technologies, pour l'instant, ne sont pas prêtes. Voilà les raisons pour lesquelles on tient à avoir ce régime fiscal spécifique.